Faites entrer Peter. Peter, Peter. Oui, viens, allez, viens dans le bureau. Bonjour, mon Oui, frère. bonjour. Je te présente Peter. Bonjour, monsieur. Installez-vous, mettez-vous en mode pépouze sur le canapé. Voilà, tranquille. Ici, on est à la SDEP, la société de dépucelage des puceaux. La SDEP, mon ouais, gars. C'est super, j'ai envie de baiser, moi. Voilà, nous avons examiné votre dossier, nous savons des choses sur vous, nous savons que vous êtes un puceau, mon petit gars. Il sait que t'es puceau. C'est comme ça. Oui, oui, oui tout le monde le sait ici. Hein? Même toi là-bas. Puceau! Mais ne vous en faites pas, Peter. Même si tout le monde se moque de vous et que vous avez l'air d'un con. Reste assis-toi. Oui, vous avez l'air d'un con. Tu vas baiser. Tu vas baiser. C'est la technique. Bon, ne vous inquiétez pas. Nous avons une solution. Nous allons vous envoyer chez un chef indien. Il va vous apprendre à baiser des meufs du matin jusqu'au soir. Hein? Vous imaginez des jolies femmes? Vous allez les baiser? Tenez, nous avons un exemple pour vous. Faites entrer l'Hermina. Bonjour, l'Hermina. Allez-y. Rentrez, installez-vous, mettez-vous en mode pépouze. Vous voyez, Peter? Regardez de plus près la beauté de l'Hermina. Allez-y, regardez. Faites-vous plaisir. Vous voyez comment elle est belle? Eh bien, ici, tout le monde se l'est baisé. Même moi. Wow. Vous voyez, je me la suis baisé ce matin. Voilà, ce matin, n'est-ce pas, l'Hermina? C'était très bien, oui. Bon, maintenant, parlons de vous et de votre dossier. J'ai un chef indien qui va vous apprendre à baiser des meufs. Voilà, vous allez être dépucelé. Quand vous reviendrez, vous ne serez plus le même homme. Vous serez changé. Vous pourrez baiser des meufs du matin au soir et toute la nuit. Des nanas du calibre de l'Hermina, vous voyez un peu? Vous comprenez ce que je vous dis? Bon, vous partez dès demain pour un stage d'une semaine. Salut Steven, c'est Peter. Je viens de recevoir ma convocation pour aller chez les Indiens. Là, je vais aller les baiser dans tous les coins. Ça va être vachement top, c'est avec la SDEP. Alors, donc, je te dis, dans une semaine, hein, je serai un homme nouveau. Bonjour Peter, ça fait plaisir de te voir. Merci. Tu es venu me voir pour suivre le programme de dépucelage. Bon, commençons tout d'abord. Je vais t'expliquer. J'ai examiné ton dossier, j'ai vu que tu étais puceau. Mais ne t'en fais pas, ce n'est pas un problème. J'ai déjà vu d'autres cas comme le tien. Bon. Maintenant, je vais t'expliquer. Tu vas pouvoir baiser des meufs le matin, le midi et le soir. D'accord? Tu vas venir dans mon tipi. Et la première meuf, tu vas la baiser le matin. Pour le midi, ce sera pareil. Ne t'en fais pas. Et pour le soir, il n'y aura aucun problème non plus. C'est super, matin, midi, soir. Oui. Toute la journée. Tu comprends? Ça te plaît? Je vais être direct avec toi. Est-ce que je peux te poser une question? Oui, vas-y, oui. En fait, je me demande où est-ce que se trouvent les nanas. Les nanas? Tu te demandes où se trouvent les nanas? C'est ça? Bah oui, tu me ramènes dans ton tipi à moitié à poil. Ouais, ça c'est vrai, j'aime bien ça. Mais... c'est mon côté un peu vicieux. J'espère que tu m'en voudras pas quand même. Bah non, au contraire, mon gars. C'est vachement rigolo, je trouve. Ouais, c'est vrai, c'est gentil de ta part. Mais bon, c'est quoi ton souci? Tu voulais me parler de quelque chose, il me semble. Quelque chose de profond. Ton intimité, envie de baiser, peut-être. On est venu, mon petit gars. Enfin, quoique, t'as peut-être d'autres choses à me raconter. Bah, tu vois, je me suis dit, je pourrais aller peut-être voir de n'importe quelle gonzesse, la baiser, et là, c'est tranquille. Au moins, je serais peinard. Ouais, ça c'est vrai, j'ai une bonne idée. Tu prends n'importe laquelle qui passe. Demain, tu veux faire un tour au village et tu la trouves. Ouais, je peux prendre n'importe quelle gonzesse. Ouais. Ça, oui. Il doit y en avoir deux ou trois qui traînent quelque part par là. Même avec une seule tronche, ça marche aussi quand même pour le stage. Je veux dire, des cheveux atroces, une barbe. Oui, oui, ça peut passer, oui, ça dépend. Hein. Et ça dépend de sa tête. Après, la barbe, je suis pas trop fan, mais bon, si ça... tant que ça peut passer, c'est parti. Oui, c'est vrai, oui, c'est un point de vue. Je suis plutôt d'accord avec toi. Ça peut valider ton stage.
Pas de soucis là-dessus, on fait comme ça pour demain, tu ramènes ce que tu trouves. D'accord? Demain rendez-vous de bonne heure. Tu vas chercher une meuf. Tu reviens tranquille avec et puis après on avise, quoi. Ok? On fait comme ça pour demain. Allez, bonne nuit mon petit gars. Bon, écoute-moi bien, mon petit Peter, c'était cool. J'espère que tu as retenu un petit peu tous mes conseils que je t'ai donnés hier soir vis-à-vis des meufs. Hein? Ok, je te parlais de plusieurs trucs au niveau de la chatte et tout ça. Oui, j'ai bien écouté. Oui, bon, voilà, d'accord. Donc aujourd'hui, c'est toi qui vas y aller et tu vas y aller tout seul, avec ton cheval. Tu vas aller chercher un peu à droite à gauche s'il y a de la meuf, ok? Et dès que tu as trouvé, tu reviens. Ok, mon pote? Compte sur moi, mon ami, mon frère. Compte sur moi. Ouais. En tout cas, bon courage, quoi. Tu m'attends là, ok? Salut, c'est Peter! Faut que je t'annonce une super nouvelle! C'est la voix de Peter que j'entends là. Ah, oh, ça fait plaisir, mon gars. Viens à côté de moi. Mange des fruits si tu veux. Vas-y, Ah, installe-toi merci. tranquille. Oh, t'épouse. Bon, faut que je te dise que ça y est, le stage, ça marche bien. Là, j'ai trouvé une gonzesse à baiser. Ah oui, celle qui a une petite bandoulière là avec une sacoche au bout, c'est ça? Comment tu peux le savoir? Tu l'as même pas vu? Non, mais je sais. Je l'ai baisé. Ouais, celle avec la sacoche, là, je l'ai baisé. Oh bah merde mon gars! Ouais, moi, je l'ai baisé. Tu veux dire que tout le monde la baise? Ouais, tout le monde à peu près. Putain, 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 je croyais être devenu un mec talentueux dans la baise et la drague, et puis non, quoi! Je suis là comme un con! Ouais, je suis désolé. C'est juste une salope, c'est ça l'idée! Ouais, c'est ça, tout le monde m'a baisé. Une salope. Une vraie salope. Ah merde! Putain, pas possible! Une salope! C'est ça l'idée! Regarde ça. C'est une poêle de chatte. C'est une touffe. Il faudrait que pour la fin du stage, tu me ramènes une touffe de chatte. Tu comprends? Une vraie touffe de chatte que tu vas couper toi-même. Tu vas baiser avec une nana. À la fin, quand tu auras fini, tu lui demandes sa touffe. Tu comprends ce que je veux dire? Ton objectif pour la fin du stage, c'est de trouver une touffe. D'accord? T'es con d'accord là-dessus? Une touffe d'ici la fin du stage. D'accord? J'ai enlevé mes bas. Et ouais. Super, c'est vraiment bien. Et maintenant, je vais enlever mon corsage. Tac, tac, tac. Vous pouvez venir si vous voulez. J'ai une bonne journée, je vais m'allonger sur le lit. Vous voulez qu'on baise ou c'est pour autre chose? Ah, vous avez l'air timide. Un petit check. Bon. D'accord. Serpent, je ne mange pas de ce pain-là. Moi, je viens seulement pour vos poils. D'ailleurs, amenez un peu d'argent, c'est pour racheter vos poils de chatte, s'il vous plaît. C'est parce que c'est un ami à moitié bizarre qui veut que je ramène ça.
Un ami bizarre pour les poils de chatte? Oui. Oui. D'accord, je vais couper mes poils de chatte, je vous apporte ça au plus vite, d'accord? Ok, c'est gentil, je vous attends à côté. Je pense qu'elle est bien, vraiment. Ouais.